J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle semaine, calendrier de l'Avent, swap, avec Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout. Je vous remettrai à chaque fois en barre d'infos toutes les autres semaines, les trois premières semaines, donc là je crois que c'est notre quatrième semaine et dernière. Il nous reste pour moi, il me reste trois cadeaux et après je vous préparerai un petit make-up avec le dernier cadeau puisque je pense que c'est une palette de maquillage. Et Elodie fera pareil, donc vous présentera ses derniers cadeaux, elle en a un plus. Et elle vous fera un petit make-up avec son dernier cadeau. Chut, on ne dit rien. Je vous laisse tout de suite avec le numéro donc 22. Coucou, on se retrouve pour le cadeau 22 pour tes créations sur Noël. Donc je suppose que ce sont des stickers Noël de chez Action. J'en ai pas du tout acheté. D'ailleurs, chez Action a des stickers sur Noël. Donc c'est plutôt sympa si c'est ça. Ah ouais, ils sont très 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 beaux. Trop bien. Waouh, ils sont trop beaux. Alors ceux-là, je crois que je les ai déjà. Ce sont des stickers, vous voyez, avec les lettres de l'alphabet en gold comme ça. Et alors les deux autres, je les ai pas du tout vus ni achetés. Donc parfait, ils sont trop beaux. Vous les voyez bien, j'espère. Donc dans les tons noir et blanc, ceux-là. Et ceux-là, oh, c'est des petites jarres un petit peu comme ça, colorées. Ils sont très 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 jolis. Donc merci Elodie, c'est top pour ce premier cadeau de cette nouvelle semaine. Coucou, on se retrouve pour le cadeau 23. Si vous voulez retrouver ce make-up, je vous invite à aller voir ma vidéo make-up exprès ou Da Beauty. Je vous la mettrai ici si elle est déjà en ligne, sinon elle ne devrait pas tarder. Sur le numéro 23, une marque connue pour ses ombres liquides paupières. Ses ombres paupières liquides plutôt. Alors j'ai lu l'indice avant, hein. Oui moi j'ai un peu triché, hein, mais j'ai pas d'idée. Alors, quelle marque est connue pour ses ombres paupières liquides? Bon là, j'en ai reçu de la marque Golden Rouge, vous avez mis une photo sur Insta. Alors, je me dis que vu que c'est le 23e cadeau, peut-être c'est une marque un peu plus, plus connue. Mais je sais pas, peut-être Color Trap, hein, vu qu'on est resté dans... Je sais pas, alors là, j'ai pas du tout d'idée. Alors, je vois... Enfin, je vois rien, en fait, je vois un mot, mais ça me dit rien. Nude Attitude. Ah! Ah oui! Effectivement, elle est connue pour... c'est la marque Stila. Vous savez, pour les ombres à paupières pailletées, hyper connues, comme ça. Et là, c'est Nude Attitude. C'est trop bien! C'est un ensemble de rouge à lèvres liquide. Stila, il y en a combien? 3 ou 4 à l'intérieur? Trop bien! Alors là, j'en ai pas du tout de... J'ai une palette de cette marque-là, mais c'est tout, je crois. Oui, une ou deux palettes de cette marque-là, mais c'est tout ce que j'ai. Trop bien! Alors là, en rouge à lèvres, tu m'as refait. Donc, c'est trois mini comme ça, rouge à lèvres Stila. Ils sont trop beaux. Et effectivement, ça change des couleurs de Colourpop que tu m'as offert la dernière fois, puisque c'est des couleurs un petit peu plus nude, un peu plus passe-partout, on va dire. Ils ont l'air un petit peu métallisés. Hein. C'est pas des mats. Donc, ça, c'est plutôt cool. Un peu métallisé, ou en tout cas crémeux. Il y en a même un qui. Il y en a deux qui scintillent et un qui a l'air un peu plus mat. Celui qui est mat, c'est le patina. Hein, on a un peu plus de temps dans cette vidéo, donc on va pouvoir les swatcher. Le patina, oh, il est très beau. C'est vraiment le rose, le vieux rose parfait. Vous voyez, le patina. Ensuite, on a un qui a l'air un petit peu scintillant, ou en tout cas légèrement métallisé, je ne sais pas trop. Il s'appelle le Illuminaire Shimmer. Est-ce que c'est plutôt... Alors, c'est vraiment des angles... Oh, il est beau. Ah oui, effectivement, il est vraiment Shimmer. Mais il est très beau, un effet un petit peu irisé, métallisé, je sais pas comment vous dire ça. De toute façon, je vous mettrai une photo, des fois en photo, ça rend mieux qu'en vidéo. Hein. Et le dernier, c'est le Miel Shimmer. Et c'est encore une fois, on dirait une sorte de vieux rose, mais avec une touche de marron. Et effectivement, il est... Je sais pas, je pourrais pas dire pailleté, hein, parce qu'il dit Shimmer, mais je dirais plus un petit côté métallisé. Les couleurs sont divines, des couleurs nude parfaites, passe-partout. Donc ça, j'ai hâte de tester sur mes lèvres. Alors, je sais pas si vous verrez demain, j'essaierai d'en tester un demain. On verra, soyons fous. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les textures, elles ont l'air agréables. Le fait que ce soit miniature, c'est parfait, comme ça, on peut les utiliser. Ça se glisse dans le sac à main, bah, parfait pour aujourd'hui. J'ai hâte d'être à demain pour le dernier. Oui, c'est le dernier. Je suis triste, là. Là, je vous avoue que je suis triste, hein, quand même. Bon, merci, Elodie.
coucou, on se retrouve pour le jour, le dernier, le 24e, donc le plus gros paquet du swap je crois. Juste pour vous dire, là j'ai juste fait mon teint, j'ai mis une petite base à lèvres et sur l'highlight, je sais pas si vous verrez, c'est le fameux highlighter qu'elle m'a offert dans la palette de Colourpop. Je les aime beaucoup, hein, je les ai utilisés quasi tout le mois, donc vraiment j'aime beaucoup. Là j'ai fait mon teint comme ça, avec mon dernier cadeau dont je pense savoir ce que c'est. Je ferai tout à l'heure mon make-up pour ce soir, puisque nous sommes le 24, donc ce soir réveillon de Noël. Je m'habillerai en robe et je vous ferai, logiquement, j'essaierai de réfléchir à un joli make-up un peu différent de ce que je peux faire sur ma chaîne. Donc on va tenter, on va tenter. Alors l'indice, le meilleur pour la fin, addict que tu es de cette marque. Alors je pense savoir, parce qu'elle m'avait dit aussi par Instagram que c'était peut-être ma base. Moi ma base de maquillage, enfin ma base en marque de maquillage c'est Too Faced. Donc je pense que c'est le coffret en forme de sapin Too Faced de la collection de Noël, puisque j'ai acheté la grande palette. Je ne sais plus comment s'appelle cette collection d'ailleurs. Je vous ai fait aussi un maquillage avec une autre des palettes que j'ai acheté à Londres. J'ai dessus sur le borsa. Oui. Ici aussi. Oui. Parce que oui, il y a ma chérie qui est juste en dessous qui veut voir ce que j'ai eu comme cadeau, donc qui est là. Donc je disais, donc j'ai aussi eu la palette à Londres que j'ai craquée, qui n'est pas sortie en France. Donc là, on verra si c'est bien ce que je pense. Alors, est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? Attention, Elodie. Pardon. Donc non, je ne me trompe pas, c'est bien. Le coffret Too Faced. Alors, effectivement, j'aime beaucoup ces collections-là de Too Faced, les collections de Noël. Je les ai toutes, je pense, sauf la première qui date de je ne sais plus quand. Je n'étais pas encore accro à cette marque-là. Je vous avoue que cette année, je trouve que c'est un peu répétitif de tout ce qu'ils ont fait. Mais je pouvais pas résister quand même. Donc je suis ravie qu'elle me l'ait offerte, puisque j'avais acheté tous les coffrets et j'attendais d'avoir soit celui-là ici dans ce swap, soit je l'aurais eu peut-être après en solde. Voilà. Moi je suis toujours comme ça, mais j'essaye de tous les avoir. L'année prochaine, j'espère qu'ils vont un petit peu se renouveler, etc. et faire les choses un petit peu différentes. Mais alors voilà, à l'intérieur, vous avez trois petits triangles qui font cette forme de sapin. Et le Better Than Sex de Too Faced qu'on a dans toutes les palettes. Hein. D'ailleurs, Too Faced, si vous passez par ici, ça serait bien de changer. Hein. Mettez-nous celui-là qui est waterproof ou je sais pas, mettez-nous... Une autre miniature de autre chose, même si dans les autres palettes ils ont été sympas, ils nous ont mis des gloss qui sont vraiment divins. Mais bon, donc là je vais essayer de vous faire ce soir un make-up avec ça. Alors il y a une palette où dedans vous avez l'highlighter, le bronzer et le blush. Bon, j'en ai déjà mis, donc ça je n'utiliserai pas ce soir. Mais il y a les deux autres palettes, donc là je testerai ce soir pour vous faire un joli make-up un peu sympa. Mais j'avoue que le coffret est quand même très très joli. Hein. Donc merci Elodie pour ce calendrier de l'avant qui était juste divin. Ce dernier cadeau qui est juste divin aussi. Je suis conquise. L'année prochaine, on en fait un pilot, dis-moi. J'aimerais bien, hein, quand même. Là, je crois que je suis archi motivée. Donc voilà. Pourtant, cette année, j'étais pas du tout motivée, pas par Elodie, mais parce que je sais que les calendriers de l'avant, c'est un investissement, c'est des sous, etc. Mais quand Elodie m'a proposé, j'avais vraiment envie de le faire avec elle. Mais alors là, je suis motivée pour l'année prochaine, si tu veux. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse avec tout à l'heure le tuto. Ah, c'est ouvert. Je pensais qu'il n'était pas ouvert. C'est beau ma chérie? Oui, mais je veux écrire. Ah, elle veut écrire. Attends, on va écrire après. Donc en tout cas, merci, je vous laisse avec le tuto et je vous retrouve juste après. Salut! Me revoilà habillée, alors vous verrez pas, mais avec une jolie robe noire, hein, un classique pour le réveillon de Noël. J'ai eu le temps de prendre possession un petit peu de mes nouvelles palettes. En fait, j'avais même pas remarqué... Il y en a une toute petite, donc celle du blush highlighter, je sais pas si vous verrez. Et les deux autres, c'est les fards à paupières. Elles sont toutes douces, un peu velours. Alors ça, je pense que ça va être... C'est très mignon, mais ça va être très sale si on touche avec nos mains pleines de pigments. Mais bon, je vais quand même vous remettre un petit peu de blush, un petit peu d'highlight Colourpop. Et je pense faire un petit make-up, parce qu'il y en a la première en fait que nous avons à l'intérieur comme palette. Elle est plus dans les tons nude marronné, avec ce petit un peu cuivré ici... Ces deux petits là qui sont, on va dire, une petite couleur moins marronnée, un peu plus auburn. Et dans la dernière, donc la plus grande, qui est, on va dire, le bas du sapin, c'est plus des couleurs... y a un vert d'ailleurs, comme un vert, une espèce de bleu irisé, pailleté. Et après, c'est des couleurs un peu rosées. Je vous montre. Vous voyez là, le vert il est là, le bleu irisé pailleté, donc on a un noir. Et après, voilà, c'est des rosés et des mats. Avec un violet mat ici. Donc je vais utiliser un peu des deux. Je vais voir où me porte ce petit make-up. Je vais essayer de faire quelque chose de rapide et d'efficace. En plus de ce make-up, je vais rajouter peut-être un peu de pigment MAC.
Et je vais utiliser aussi ma base à paupières Glitter Primer de chez NYX que j'aime beaucoup. Et donc le voici, le pigment MAC que j'avais reçu de la part de MAC, qui est le English Gilt. Donc le voici comme ceci. Donc bah c'est parti, hein. On va se repoudrer d'abord un peu le teint et après passer aux yeux. Pour le teint, j'utilise du coup, je vais un peu, j'avais utilisé le NARS ce matin, mais bon là je vais mettre un petit coup. Elle se présente comme ça la palette, d'ailleurs je vais même pas montrer. Ça c'est plutôt un highlight, un bronzer et un blush. Mais l'highlight il est fort rosé, j'en ai déjà des comme ça. Donc le blush est un peu pêche. Ça va redonner une vie un peu à mon teint. Parce que... Thank you.
résultat, j'espère que ça vous aura plu. Je suis assez bluffée par les pigments Too Faced, c'est à dire qu'au niveau des mats ils sont plutôt pas mal, et au niveau des irisés, vous avez vu celui-ci là, il est juste sublime là, l'espèce de orangé cuivré, il est très 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 beau d'ailleurs, vous le voyez bien. J'espère que ce petit make-up vous aura plu. Sur mes lèvres, j'ai utilisé bien sûr le rouge à lèvres que j'ai reçu hier dans le cadeau d'hier de chez Stila. J'ai rajouté un petit peu dessus des pigments grâce à la base NYX pour intensifier un peu ce côté métallisé. Il était déjà légèrement métallisé, mais voilà, j'avais envie de l'intensifier. Donc j'espère que ça vous aura plu ce make-up, et je vous souhaite encore de joyeuses fêtes, une bonne année 2019 si ce n'est pas encore fait dans mes autres vidéos. Je vous invite à aller voir le make-up de Elodie Moitou, puisque je pense qu'Elodie a fait un make-up bleu. Je dis ça, je dis rien. Vous verrez. En tout cas, j'espère que mes derniers cadeaux lui auront plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous n'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en pensez. J'adore vous lire comme d'habitude en commentaire, donc j'ai hâte de vous lire. Et je vous fais de gros bisous. Joyeuses fêtes à tous. Salut, salut.